Zakebam, selam. Si tu acceptes le pardon, viens soulever ta petite soeur. Si tu ne me soulèves pas, je reste ici. Voilà, pour accepter, et puis on mange, et puis c'est tout. Calaba, moi je n'aime pas ça, je suis sérieuse. Je ne veux pas le désordre. Pourquoi je suis assise là? Je ne veux pas le désordre. Et où on est là, nous ne sommes pas en train de blaguer. Ta grande soeur, c'est quoi, Julie? Ta grande soeur de qui? Ta petite soeur. C'est le même mépris là que toi, tu viens avec ça sur moi. C'est le même mépris. Au jour d'aujourd'hui, je suis zéro comme je suis zéro aussi. Parce que je me suis consacrée. J'ai donné toute ma vie pour vous. Vous êtes devenu ce que vous êtes devenu au jour d'aujourd'hui. Vous me prenez, vous me parlez n'importe comment. Au point où vous me dites les choses que vous ne devrez pas me dire. Quand vous m'avez à sucer. On dit qu'on a, on fait une réunion de famille, c'est toujours toi qui arrives en dernière position. Toutes tes grandes sont assises, c'est toujours toi qui arrives en dernière position. Bon, si je vous ai réunis, c'est parce que je voudrais que qu'on parle des choses sérieuses, mais je vais parler avec ma grande soeur, Zach, qui est là. Vous savez que depuis beaucoup d'années, on est en froid. On est en froid, Zach et moi. Et je me suis dit, voilà, il faut que ça s'arrête. Parce que c'est vrai que je suis en Europe. Et elle est ici. Yes! Mon visa est sorti. Ton visa est sorti? Ouais! Ça commence bien, donne ici. Demain, tu as parlé de l'Europe. Oh, vous voyez donc. Ça veut dire que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et les choses commencent à bien se passer. On va fêter ça au Mondial tout à l'heure. Donc, je disais qu'on est en froid depuis ma grande sœur et moi. Et je reconnais que je lui ai posé beaucoup de tort. Parce que quand tu veux la paix, reconnais d'abord le mal que tu as fait. C'est vrai, je vis en Europe et je ne me soucie pas. Même si ce n'est pas parce que j'ai de l'argent, que je n'ai pas besoin d'elle. J'ai besoin d'elle ici. C'est la raison pour laquelle j'ai pris un congé maladie. J'ai menti aux gens là que je suis malade parce que je voulais absolument venir lui parler selon ce que le Seigneur m'a mis en moi parce que ça sonnait dans ma tête là. J'ai pris un visa de 3 jours juste pour venir lui dire que j'aimerais écouter. Ce sont les gens là. Je voulais lui dire je m'excuse. Je m'excuse, Zach. Tu es ma sœur aînée. Je te dois beaucoup de respect. Au droit de naissance, même dans la Bible, on nous demande de respecter le droit de naissance. Même si je suis un peu plus nantie que toi. Je voudrais franchement que cette fois-ci, qu'on enterre la hache de guerre, nous sommes des sœurs. Mm-hmm. Nous ne sommes pas des amis, nous ne sommes pas des copines, nous sommes des sœurs d'une même mère et d'un même père. Voilà. Et aussi, voilà la nouvelle année qui commence. Voilà la nouvelle année qui commence. Et voilà les bonnes nouvelles qui commencent à tomber. Et j'ai vraiment besoin de toi pour garder tout ce que je fais ici parce que quand tu n'es pas là, toi-même, tu vois tout ce que je fais, les filles là, il y a du grand n'importe quoi. Moi, connaissant ta force de frappe,
J'ai véritablement besoin de toi. Il n'y a pas deux familles dans une famille. Voilà. C'est une famille, point. C'est sûr que vous pouvez faire des divisions. Oh, c'est les enfants de tel. Voilà. Non. C'est même tout le Congo, ça qui a été fait autour. Bref, moi, je n'ai même pas envie qu'on revienne là-dessus. Moi, je suis venu demander pardon à ma grande soeur. Tu acceptes que... Attends, vous allez manger. Chalabas, vous allez manger. Je vais faire quelque chose ici maintenant. Et je voudrais que vous aussi, prochainement, quand quelqu'un a un problème avec sa soeur, soyez humble au point. J'ai des comptes en banque bien fournis. Je suis riche, vous savez. Zach est très pauvre, là, elle est là. Elle ne me vaut pas. Mais à cause du fait qu'elle est ma grande soeur, je me mets à genoux. Voilà. Et je demande à Zach, pardonne-moi, ma soeur. Accepte aussi. Pardonne-moi de tout ce que je t'ai fait. Je voudrais qu'on redevienne comme on était avant. Quand on grandissait, tu me protégeais toujours. À l'école, personne ne pouvait me taper. Et on était même des amis, des complices. Ma grande soeur, si tu acceptes mon pardon, viens me soulever. Zakebam, salam. Si tu acceptes le pardon, viens soulever ta petite soeur. Si tu ne me soulèves pas, je reste ici. Voilà pour accepter. Et puis on mange, et puis c'est tout. Calabar, moi je n'aime pas ça. Je suis sérieuse. Je ne veux pas le désordre. Pourquoi je suis assise là? Je ne veux pas le désordre. Et où on est là, nous ne sommes pas en train de blaguer. Ta grande soeur, c'est pas joli. Ta grande soeur est qui? Ta petite soeur. C'est le même mépris là que toi, tu viens avec ça sur moi. C'est le même mépris. Au jour d'aujourd'hui, je suis zéro comme je suis zéro aussi. Parce que je me suis consacré. J'ai donné toute ma vie pour vous. Vous êtes devenu ce que vous êtes devenu au jour d'aujourd'hui. Vous me prenez, vous me parlez n'importe comment. Au point où vous me dites les choses que vous ne devrez pas me dire. Quand vous m'avez à sucer. Vous pensez que le Dieu que je prie, nous tous nous prions le Dieu là. Mais il y a un temps pour tout. Je dis bien, il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, c'est que je. Mais un seul jour, tu ne peux pas passer une journée sans poser ta main sur ton genou comme ça. Moi, j'ai été là pour vous. Qui sera encore pour vous? Moi, je pars en Europe maintenant. Pas, tu as eu le visa. C'est normal. Vous discutez, maman, elle est à genoux. Va lui soulever. Va la soulever. Bref, que ben rien. Si tu ne sais pas parler français, tais-toi. Comme tu es à genoux là, ce n'est pas te lever de là qui me dépasse. Je vais te lever de là. Mate, pardon, accepte. C'est notre mère. Maman, je vais demander pardon. Maman, je demande pardon parce que j'étais venu dire comme ça que merci, si la guerre Seigneur. Commence. Donc vraiment, je vous demande pardon. Que la famille reste. Toi, tu demandes alors pardon avec la machette à moi. Non, j'étais venu préparer tu parce vas que monter avec la machette connais dans les réactions. Ça de... bénit la nourriture. Avant tais-toi. De bénir la nourriture, je vais vous dire. Je vais vous dire quelque chose avant de bénir la nourriture. Vous voyez les 5 doigts-ci. Non, pas la même taille. Ce que moi, on a eu à me faire, je ne vais jamais accepter qu'on vous fasse ça. Aujourd'hui, je suis ridicule. On me parle n'importe comment. Même une personne qui ne pouvait pas me parler, me parle aujourd'hui. Me chiffonne. Oubliant ce que j'ai eu à faire. C'est ça l'homme. Le merci de l'homme. L'homme ne connaît jamais ce que tu lui as fait. Il oublie le bien que tu lui as fait. Mais pour si peu comme ça là, je dis bien pour si peu, vanité. Tout est vanité. Je n'ai jamais vu où on enterre un homme avec son argent, sa voiture, ses maisons, ses. On part toujours avec notre pourri petit nez maigre ici debout comme ça là. Vérité. Vanité de vanité. Amen. Ma petite soeur, moi je te... Laisse-la demander pardon à sa soeur. C'est quoi ton problème? Ma petite soeur, moi j'oublie. Et j'oublie et je te pardonne. Amen. Amen. Je te pardonne. Parce que j'ai d'abord, la crainte de Dieu.
Et je ne veux pas le mal de quelqu'un. Tu l'as si bien dit. Tes comptes sont fournis. Moi, j'ai quoi? Je n'ai rien. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est la partie dans ma vie. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ma vie. Au jour d'aujourd'hui, tu es sur l'étage. Je ne peux qu'apprécier. Je ne peux qu'être fière. Je ne peux être que contente. Calabal, laisse le plat là. Parce que si tu es en haut, ça veut dire que c'est toute cette famille-ci qui est en haut. Donc, comme le Seigneur est entré dans ton cœur, le Saint-Esprit t'a conduit d'arriver jusqu'ici, sache que dès à présent, tu n'as plus aucun problème avec ta grande sœur. Voilà! Et que le Seigneur le bénisse ton voyage. Amen. Et que tu rentres comme Alléluia. Tu es venu. Alléluia. Sans que quelque chose de mauvais ne t'arrive. Amen. Bon applaudis, oui. Voilà, non, je commence. On n'a pas encore prié. Vous voulez encore commencer le désordre? Quel désordre? On a appelé le pardon, mais là, mangeons. Bénissez, Seigneur. Bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé. Et procurer du pain à ceux qui n'en ont pas. Bien sûr.